Good evening, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais faire 3 points seulement aujourd'hui que le journal parce que comme qu'il y a de l'eau qui sort beaucoup dehors là-bas, je ne peux pas faire beaucoup de points. 3 points. First point, Nigeria. Je vais donner 3 nouvelles de Nigeria. Deuxième point, tu es là, tu es posé, tu as oublié maladie de COVID. Tu as oublié son maladie. Je vais faire rappel, toi, ce qu'on appelle COVID. Puis, point numéro 3. Je vais parler un peu Ghana. OK. Point numéro un. Je connais que tout le monde ici connaît que Bola Tinubu est le président de Nigeria. Oui, il y a eu une So, investiture. voilà, il vient là, 29 de mai, là, passé avant-hier, là. Il a prêté ses pains. Il a prêté ses pains. Oh, je ne veux pas Avec ça, gâter, vous je dites que c'est un médiateur? Comment on parle? Madame, son français, c'est. Il a prêté. Serment, prêter serment. Ah, Il OK. a prêté serment. Ok, il a prêté serment. Ok. Voilà. So, Il est articulé. repeat again, il a prêté serment. Ok. Serment. Et le nouveau président de Nigeria, quand il apprend en serment qu'il a prêté, il a appelé son adversaire, il dit, viens, faut pas que tu sois fâché. Nous tous, on a fait concours là. Tout est perdu, je me suis gagné. Il faut que tu viennes, on va travailler ensemble. Mais ce que tout le monde est fâché, le nouveau président, il n'a pas fait une semaine encore, l'homme est fâché parce que il dit que subvention de essence qu'on donne, on donne subvention, il dit que lui, il va enlever toute subvention là. Pourquoi? Non, il n'a pas camarade quelqu'un, il n'a pas venu faire sa maison. Mais ok, c'est dans subvention là qu'il apprend pour blaguer l'homme dans un house, donner le nom français quand tu veux devenir président. Campagne. Il a dit que, oh, I'm gonna maintain the subvention. Maintenant, voilà, il enlève tout. Après l'annonce de Tino Bonan, il dit qu'il va supprimer sa pension là, at the end of that, mais fin de juin là. Il va supprimer tout son carburant. So, tout le monde, il a paniqué. Tout le monde, il a fâché beaucoup. Parce qu'il a fait camaraderie et puis FMI. Il dit que si tu veux qu'il va t'aider, subvention la fond neveu parce que ça prend trop milliards. Trop le milliard. Que milliards là, on va prendre pour orienter l'infrastructure publique, hein, like the school, école, tu vois, la santé, le travail. Ça, c'est bon, mais carburant là, ça n'a pas important que tu vas prendre l'argent parti mettre là-bas. So, fin juin, on a fin quoi? Fin Attends, juin. début juin. On a début de juin, son fin de ce mois-là. Il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est Banque mondiale qui a donné instruction qu'il faut faire, parce que toi, pays le plus peuplé d'Afrique, hein, et puis toute moitié de l'homme nigérien, il vit dans la pauvreté, trop. So, il y a 10 ans qu'on a commencé à essayer un peu des subventions, on fait pas là. On prend les armées, il prend fusil, il est parti, mais Tinubu, il a venu, tu as vu sa look, son gilet là, la sortie, on dirait crapaud, lui n'a pas camarade quelqu'un. Thank you. Ça, c'est journal numéro 1. Non, point. OK, point number one. Point number deux, COVID-19. Monsieur, c'est un journal, mais je peux poser une question. COVID, là, sa femme ou bien sa garçon? L'homme, il parle de COVID, on dit la COVID, comme je ne connais pas. On dit la COVID, on dit la COVID. La COVID. C'est petite femme ou bien grande femme? Oh, c'est grand femme. C'est grande femme, OK. COVID-19, Ghana. Tu connais que Ghana et puis Côte d'Ivoire, quand COVID il vient, on a fermé frontières. Oui, les frontières terrestres On ont fait été fermées. officially de sorte de frontières. Yeah. Mais l'homme, il rentre dans Bruce comme petit caïman, et comme rat, comme souris. Il fait beaucoup de commerce, il fait waka waka. Beaucoup. C'est quoi le waka C'est bandit, 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 waka? bandit, waka waka. Mais aujourd'hui, là, on a fait ouverture des frontières ivoiriennes. Il est très content, tout le monde est content. Beaucoup habitants de Noé. L'homme qu'il a laissé, son ancien go, il a compté, il a vient d'autres. Le go qu'il a laissé en va, on lui a enceinté, il a fait du mot, il a fait tout. So, il ne reconnaît plus l'homme qu'il a laissé là-bas, frontière et Lubo. Tu vois que. Et puis quand on a fermé frontière, tout Ghanaien, il ne veut pas manger, il dit que lui, ça c'est fait qu'il connaît comme la diable. Maintenant que ce frontière s'est ouvert, on donne que, ainsi dit, on n'a qu'à prendre. Il dit qu'il ne veut pas que lui ne connaît pas monnaie là. Il ne connaît pas que c'est fa qu'il connaît. So, maintenant, tu vois, Nigeria, il vient, Tchad, il vient. Beaucoup l'homme, il vient, il voit le Ghanaien frontière. Il a fait jusqu'à 700 km, c'est ça que. Beaucoup chauffeurs, avant, il prend moto, il passe dans Bruce. L'autre, il dit qu'il a pêché.
L'autre dit qu'il fait sport dans Bruce et moi, et pas il fait trafic. C'est trafic qu'il fait, mais aujourd'hui qu'on a ouverture des frontières, Côte d'Ivoire la content, Ghana est la content. Point number three. Ce qui va étonner toi, j'ai parlé que quand on a fermé frontières, c'est CFA que tout le monde veut prendre pour utiliser. Maintenant qu'on a ouvert les frontières, aujourd'hui, dernier 30 jours qu'il a passé, les CD et la monnaie ghanéenne, il a enregistré augmentation de 7,3% par rapport au CFA d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? CD là, il a dépassé CFA au moment où je parle toi. Ah. CD et la monnaie que, c'est pas moi qui parle, c'est l'homme qui l'a fait. Ah, c'est, on parle Ecofinance dans le journal que j'ai mis juste ça. So, aujourd'hui que je parle, CD, il a dépassé 7,3, il a dépassé CFA, par rapport à CFA. Donc Ghana, son argent, il dépasse Côte d'Ivoire. So, Ghana est la puissance, seulement que c'est 30 jours seulement, ça fait sa puissance. Et la puissance. Mais, puis beaucoup d'investors, investisseurs, ils ont confiance que si Ghana il prend ça là, comme ça, la route des FMI, là, il va réussir. Parce que le problème que Ghana il a gagné, parce que quand il vient, il ne veut pas prendre crédit avec quelqu'un. Il a laissé son coin. Mais Blanc, il a intelligent, il dit toi, tu vas louler, un jour tu vas voir. Yes, oh, je connais Côte d'Ivoire, on dit tu vas louler. Donc, quand on apprend, lui, il a reçu le jour quand il a commencé, il a un problème. Il a parti voir FMI demander pardon, que je ne connais pas que quand tu viens président, tu vas faire petit, faire comme tu as fait pitié. Donc, so, FMI, il a d'accord, c'est ça que son argent, il a monté. So, CD est la monnaie plus performante au monde au cours des derniers mois-là. Yes? Lui aussi, son argent, c'est un mois, il prend pour faire malin. So, mais CD, il a fabriqué par Banque Centrale of Ghana. Tu vois, mais monnaie les plus faibles d'Afrique de l'Ouest, c'est Sierra Leone. Mais pour toi, CFA ici, là, il a fabriqué France. Hein? Banque de France, usine des chamelières. C'est la différence entre pour Ghana et pour toi. Et la mais, Côte d'Ivoire. Yes, en Afrique de l'Ouest, sur l'argent. So, j'ai très content de présenter le journal. Merci. Ghana puissance.